Harry Potter était épuisé après une longue journée de cours à Poudlard. Il avait besoin de détente et de rire, alors il décida de passer du temps avec Ron Weasley, son meilleur ami. Se retrouvèrent tous les deux dans la salle commune de Gryffondor, où Harry s'installa confortablement dans un fauteuil tandis que Ron s'asseyait en face de lui. Ron prit une grande inspé. Iration et commença à raconter des blagues sur les sorciers. Harry, tu sais pourquoi les moldus sont toujours curieux de voir notre carte du maraudeur? Demanda Ron avec un sourire en... Quoi, non, pourquoi? Répondit Harry, intrigué. Parce qu'ils sont fascinés par l'idée de pouvoir se balader librement dans leur propre ville sans se faire attraper. Éclata de rire Harry. Harry ne put s'empêcher de sourire, appréciant l'humour de son ami. Ron continua avec une autre blague. Tu sais ce qui rend un fantôme heureux? Demanda-t-il. Harry secoua la tête. Non, Ron, explique-moi. Être dans une bonne humeur enchanteresse. Lança Ron en éclatant de rire. Cette fois, Harry ne put s'empêcher de rire à en perdre haleine. Il aimait ses moments de complicité avec Ron, où il pouvait simplement se détendre et profiter de la compagnie de l'autre. Une autre blague suivit rapidement. Harry, tu sais pourquoi les trolls ont le... Est-ce né si grand? Harry secoua la tête et répondit, non, je ne sais pas. Parce que plus ils ont le nez long, plus il est facile pour eux de sentir les mauvaises odeurs. Dit Ron en... éclatant de rire. Harry ne pouvait plus s'arrêter de rire. Les blagues de Ron étaient vraiment hilarantes et lui permettaient de s'évader de sa réalité souvent mouvementée. Au fur et à mesure sûr que la soirée avançait, les blagues de Ron continuaient à faire rire Harry. Ils passèrent des heures à raconter des blagues sur les sorciers, profitant de chaque moment de détente. La fatigue et le stress semblaient s'évanouir, remplacés par des rires et une amitié solide. Finalement, les deux amis s'endormirent dans la salle commune, souriant et satisfaits de ce tétée soirée passée ensemble. Les blagues de Ron avaient égayé la journée de Harry, lui rappelant pourquoi l'amitié était si importante, même dans un monde rempli de magie et de sorciers.